Jean-Marc, il faut arrêter la guerre au Vietnam. Pourquoi ? Parce qu'il y en a marre de tous nos jeunes de notre pays qui meurent dans les rizières pour Lyndon Johnson ou pour Nixon. Merci, peace. Peace. Summertime Blues. Alors vous êtes tous des amis qui nous sont très chers. On est très 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 touchés de vous avoir tous autour de nous ce soir. Et parmi tous ces amis, tous plus chers les uns que les autres, il y en a un qui était à Woodstock. No dice when you gotta work with. Sometimes I wonder what I'm gonna do. There ain't no cure for the summertime blues. Alors Alain, je te passe la parole et merci. Bonsoir. Première des choses, c'est que ce soir le thème c'est Woodstock, mais il ne faut pas oublier que le but c'est l'anniversaire de Marc. Et qu'il a invité et organisé tout ça, c'est, il a beaucoup de mérite. Et je le remercie. J'avais 21 et j'habitais en Californie. Et puis après, on est parti. Après, on était à Philadelphie. Et puis, les copains ont dit bon, est-ce qu'on va. Vous voulez aller à un concert à New York? Il y a un festival. J'ai dit oui. On est allé, on rentre dans les voitures, on monte, on conduit. Tout d'un coup, sur l'autoroute, tout se ralentissait et puis les voitures commençaient à s'arrêter et puis garer sur l'autoroute. Et puis après, il n'y avait plus de place, on a parqué au bord de la route, on a marché. Il y avait une voiture qui s'est arrêtée avec une famille, une break, et puis il nous a demandé est-ce que vous avez un endroit pour dormir.
J'ai dit non, vous venez avec nous. On allait avec eux, ils avaient une sorte de chalet auprès du lac. Dans un lac qui s'appelle White Lake. Puis on allait là, puis on a passé les trois jours avec eux. Well, I called my congressman, he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm about to do, but there ain't no cure for the summertime blues. On a marché jusqu'à arriver au lieu où il y avait le concert. Puis après, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis, c'était... on ne comprenait rien. Il n'y avait plus d'autres, tout était tombé. Puis ils ont dit, free concert. Bon. Donc on est entré, on s'est assis, on a trouvé une place. On restait là, on attendait, on parlait. Et après, il y avait Richie Havens qui a commencé à jouer. Et puis c'était incroyable. L'ambiance, l'âme qu'il avait, c'était fou. Ce qui m'avait touché, frappé le plus, d'abord que tout le monde était jeune. Il y avait les gens comme moi j'étais. Et voilà. Part of weird, she talks, that is a wrong.